Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo box beauté de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un petit papier avec MAC. Donc apparemment, il va y avoir un petit truc avec MAC. J'ai pas le temps de le traduire. Donc au pire, ne m'en voulez pas. Le petit catalogue avec le produit qui sera dans la box du mois prochain et ce sera une crème light détox de chez Naobe. Donc il y aura de l'aloe vera dedans, du thé vert, raspberry, huile de jojoba. Enfin, ça a l'air prometteur comme produit, donc hâte de pouvoir le tester. Et ensuite le contenu de la box, donc toujours avec un petit truc à l'intérieur. Bon, maintenant j'y prête plus trop attention. Et puis la box qui est bien chargée. Je vais commencer tout de suite avec ce produit-ci. Donc ça, c'est des patchs pour les yeux. Donc masques yeux biocellulose lissant de chez Starkin. Donc on a juste une paire. Donc voilà, poser, nettoyer le visage et sécher en tapotant. Masser délicatement le sachet juste avant de l'ouvrir afin de répartir le sérum. Retirer les petites languettes autour. Enfin voilà, vous connaissez le principe. Laissez poser 10-15 minutes. Logiquement, on devrait avoir le contour des yeux lissé. Je poursuis avec ce produit-ci de chez Bubble Tea. Donc voilà, pour mettre dans le bain, je pense, pour se détendre, vu qu'il y a du thé Earl Grey Bath Tea. Donc voilà, c'est un format de 100 grammes. Je pense que c'est pour le bain. Au pire, si je me trompe, je vous mettrai quelque chose sur l'écran. Parce que là, je vous la fais à la débauche. Pas trop m'en demander. Surtout au niveau traduction. Je poursuis avec ceci de chez Glove. Et ça, je pense que c'est la serviette à cheveux. Ouais. Donc, c'est la serviette à cheveux. Donc, ma poupette, elle va être heureuse. Elle est toute douce. Oh là 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 là. Je pense que je vais moi-même la tester. Bon, ça va pour la grosse chevelure, la grande chevelure de réponse de ma fille, parce que ici c'est des grandes chevelures et j'ai ma grande qui adore ce genre de produit. Et là, elle est toute douce, elle est super agréable. Franchement, ouais, on a envie de se blottir dedans. Donc voilà, ça peut-être que ce sera mieux que celle que j'avais, parce que normalement ça doit aider à sécher et à prendre soin des cheveux. Donc à tester, ce sera avec ma grande. Je poursuis avec ce produit-ci qui est un pot de crème de chez eCooking dans un format de 30 ml. Donc c'est pour hydrater. Et quand je regarde sur le petit carnet, il y a à l'intérieur de l'eucalyptus, du menthol. Donc je pense que ça doit être super agréable à utiliser, surtout rafraîchissant. Donc à voir et à tester, sachant que leurs produits sont vraiment géniaux. Nous avons un produit de chez Balance Me qui est un sérum d'un format de 30 ml, mais non, 7 ml. Donc au rétinol, eh bien impeccable. Donc ça, on va voir. J'aime bien, c'est pas mal. Leurs produits sont pas mal à eux. Donc ça, c'est des bons formats pour pouvoir tester. C'est ce que j'apprécie énormément. Donc hâte. Et je termine avec le produit annoncé ce mois-ci dans la box beauté. Donc, c'est un gloss de chez By Terry. Donc, c'est un baume de rose. C'est pas un gloss, c'est le soin lèvres à la rose. Eh bien, je suis tentée. Même si c'est à la rose, je suis tentée de pouvoir le tester. J'aurais peut-être pas dû. Ça sent la rose. Donc, l'embout assez pointu, plutôt pratique pour pouvoir tester. Bah, je l'ai ouvert, donc il n'y a plus qu'à. La rose, moyen. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Il est agréable, il est légèrement brillant. On sent pas que ça colle comme un gloss, donc c'est vraiment plutôt agréable. Mais on sent le goût de la rose que... fort pour moi, mais je vais l'utiliser maintenant que je l'ai ouvert. Je vais l'utiliser et je pense qu'il est bien agréable parce que on sent vite ce côté souple et
pas tout hydraté, tout souple d'un coup. Donc, je pense que je vais malgré tout l'apprécier, malgré son odeur. À mon avis, je pense que ça va être ça, mais je le rachèterai pas à cause de son odeur. Un poil trop fort. Donc, si vous êtes un petit peu sensible, un petit peu comme moi, aux odeurs, voilà. Donc voilà tout pour la box de ce mois-ci. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire vous ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!